On my Oh no, computer. we're going to share it for you. The host is going to do that for you. So just wait, she's downloading the PowerPoint now. There we go. Okay, Mrs. Claire, you can go ahead with your presentation. No, attends. Hello. No, it's not. Hello, please, it's not that one. I share another one point to Mr. I share another one point to Mr. To Reverend Debbie. Really? Oh, I see. Please wait. Okay. I've gotten it now. Yes, it is one. Thank you. Okay. Donc, je disais que mon exposé porte sur le livre 4, chapitre. Aïe, aïe. Please wait, but the person don't see my PowerPoint. Yes, we are downloading the new one that Mr. Pascal just sent to us. Please wait, I'm trying. Share screen. I look it. Share screen. Je vois pas. I don't see. I don't. Participants. Alors, si c'est un ordinateur, si c'est cool. Non, moi, je ne vois pas. Oui. We can see your. Are you the, you're sharing this now, so we can see. Oh, not this one, please, Christian. Not this one. Not this one. I sent another PowerPoint to Mr. Debbie Saturday. Please, can you share me another PowerPoint? Yes. That, we're working that on PowerPoint. That. Hello. Yes, this one. Mais qu'est-ce que tu vois? Allô. Oui. Je suis sur mon écran. Allô, je suis en bas de mon écran, je vois. Merde, je vois pas. Ah, d'accord, ok. Ah, ok. Là, on voit. Oui, j'ai choisi. Est-ce qu'on ouvre aussi? It's working now. C'est ça? We can see your PPT, okay. Mrs. Claire. Ok, thank you. Je vous prie, franchement, de m'excuser pour cette grave erreur. J'ai pris le professeur Gil. Je prie toute la communauté de bien vouloir me pardonner pour cette erreur, pour ce défaut de manipulation. Donc, il disait que mon exposé portait sur le messianisme tribal, notamment dans le livre 4, chapitre 5, section 2 et section 3. Donc, le chapitre 5 est intitulé « Le Home Group Trinité et le corps des leaders HTM du messianisme tribal ». Et la déclaration de la mission ici, c'est établir Chine Olombo comme district de Chonenguk avec les familles Sen. L'objectif principal, c'est offrir les trois tiers du district aux parents célestes et aux vrais parents. Donc, nous commençons par la section 2. Intitulé « Deux types d'écoles dirigeantes ». Vous voyez effectivement à ma gauche qu'il y a, nous voyons le messie tribal fondateur de la première tribu, il y a les grands-parents et les ancêtres.
Ensuite, il y a la formation des différents couples, donc du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième couple jusqu'au douzième couple. Et donc, nous voyons qu'il y a différents, il y a la différence entre les types de l'école dirigeante. Qu'est-ce qu'on entend par type de l'école dirigeante? C'est un type d'abord est une école leader gérée par le home group familial. Une école leader créée qui fonctionne naturellement dans le home group d'appartenance jusqu'à ce qu'elle compte 12 membres. Un entraîneur qui a reçu une formation de conférencier à l'école des leaders d'un grand groupe dirige cette petite école des leaders par lui-même dans un groupe de maison ou d'une trinité. Ce type d'école leader est généralement géré dans un type de coaching individuel. Dans l'école des leaders, dans l'école leader sans contrainte de temps, l'école leader, c'est une école qui est faite de sorte qu'il ne puisse pas avoir de contrainte de temps. Il ne puisse pas avoir de lieu de la conférence ou de professeur. La méthode est rapide et puissante, car elle est libre de suivre son propre plan. Donc, l'école des leaders, dans l'école des leaders, chacun est libre de suivre son propre plan. Bien qu'il ne soit pas en conférence. Une minute. Oui, maman. D'accord. Allô? Allô, 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 allô. Hello. Hello. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, Christian. Moi, je t'entends très bien. OK. Je vais juste te dire quelque chose. Tu n'as pas à lire. Dis ton PowerPoint dans une one go. Lis seulement une fois. Et ne te dérange pas pour la traduction. Ne t'arrête pas au milieu. Parce que je traduis directement pour le professeur Gill dans sur un autre téléphone. Donc, je lis directement sans t'attendre, sans attendre que tu parles. Ne m'attends pas. Oui, ne m'attends pas. Ah, d'accord, OK. OK, merci beaucoup. Donc, il disait que j'explique ce qui suit. La différence entre les deux types de l'école dirigeante, c'est ainsi qui suit. D'abord, un type, c'est quoi? Un type, c'est une école leader gérée par le home group familial. Donc, dans le premier type d'école leader, le premier type d'école leader commence au niveau de la famille. C'est-à-dire quoi? Une école leader créée qui fonctionne naturellement dans le home group d'appartenance jusqu'à cela compte 12 membres. Donc, au niveau de famille, si on crée effectivement une école leader, cette école leader va évoluer jusqu'à créer 12 membres, comme on voit sur cette figure qui est à ma gauche, là, qui commence par le messie tribal. Et quand on voit le messie tribal, c'est le fondateur, effectivement, de la première tribu. Donc, la première tribu est fondée par qui? Par le grand-parent, donc par l'ancêtre. Et cette tribu arrive à se multiplier jusqu'à créer 12 couples. Donc, cette tribu grandit. Et au centre de cette tribu qui a créé 12 couples, nous avons le parent céleste et les vrais parents. Et l'école leader, c'est une école qui fonctionne sans contrainte ni de lieu, sans contrainte également ni de temps. La méthode de l'école tribu est rapide et puissante. Elle est libre de suivre son propre plan et son calendrier. Donc, le plan que l'école leader crée, c'est une école qui a son propre plan de fonctionnement. C'est une école qui a son but et le but est fondé sur le parent céleste et les vrais parents. Vous comprenez que la méthode est rapide et puissante, qu'elle est libre de suivre son propre plan et son calendrier. Bien qu'il ne soit pas un conférencier spécialisé de grands groupes, le conférencier est libre d'adapter ses présentations pour tenir compte des différences de compréhension, de communication, de concentration et d'aspect spirituel, ce qui donne des programmes adaptés aux petits groupes. Autrement dit, le conférencier, lui, lorsqu'il conçoit ses différents plans, il ne doit pas tenir compte, on ne va pas tenir compte du niveau de formation du conférencier. Ce qui est sûr, le conférencier doit adapter effectivement son enseignement, son programme aux différents participants qui sont présents dans la salle.
Je passe au PowerPoint 3. Le Tunenguk, nation du parent céleste, commence par ma famille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le succès d'un messie tribal céleste exige un investissement de cœur et demande d'aller au-delà des home groups ordinaires. C'est-à-dire, le messianisme tribal, pour réussir le messianat, il faut d'abord fonder, il faut non seulement avoir la dévotion, mais il faut avoir l'amour de ce qu'on veut faire. Il faut avoir l'amour d'aller témoigner, il faut avoir l'amour d'amener effectivement toute la tribu de Lombo au niveau des vrais parents du parent céleste. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, cela ressemble au processus par lequel nos enfants grandissent dans nos familles. Ensuite, ils évoluent ailleurs dans la société en créant leurs propres relations. Donc, bien que le home group soit créé au niveau de la famille et qu'on puisse arriver à faire venir 12 couples, mais les enfants, effectivement, au niveau de la famille, qui ont compris l'enseignement, qui ont compris la providence, doivent effectivement aller dispatcher la parole du parent céleste et des vrais parents au niveau de la société. Donc, ça quitte du niveau interne pour aller au niveau externe. La famille est la première cellule de base pour multiplier le home group. Et à travers la famille, on forme l'association de Runduke, des familles saintes dans nos tribus. Aujourd'hui, au niveau d'Olombo, effectivement, on a pu, à travers le premier ancêtre qui est Bernadette Fogué, on a pu former l'association du Runduke, des familles saintes au niveau de Olombo. De sorte que jusqu'à ce jour, nous avons le Messie tribal Papa Malepé, qui au niveau de Lombo, qui continue tous les dimanches, non seulement à véhiculer la parole du parent céleste et des vrais parents, mais tous les vendredis, on organise effectivement un séminaire d'un jour au cours duquel on invite les pasteurs, on invite les hommes de Dieu et on invite certaines familles pour venir suivre. Et hormis ça, il y a tous les trimestres, un séminaire de 7 jours en faveur effectivement de la population de Lombo parce qu'on veut arriver à convertir ce district de Lombo pour que le Lombo suive le parent céleste et les vrais parents. Donc on voit cette figure qui existe là, vous allez voir que sur cette figure là on constate correctement que le Tunenguk commence au niveau individuel, après on arrive à établir le Tunenguk au niveau familial et on arrive au niveau tribal et on arrive au niveau national et enfin on va arriver au niveau donc mondial. Donc c'est la même chose que les enfants qui grandissent au niveau de la famille jusqu'à un certain âge dans la famille, puis ces enfants acquièrent plus de sagesse et de connaissances et font l'expérience de la société à l'école. Le home group, donc, peut être défini comme étant une trinité. Le home group se crée à l'image de celle d'une famille. Dans la famille du home group, l'école de la famille du home group s'appelle l'école des leaders du HTM. C'est un point important que le révérend Gill nous a déjà expliqué. Je pense que le mois surpassé, il nous avait expliqué effectivement que dans la famille du home group, l'école de la famille du home group s'appelle l'école des leaders du HTM. Et on va plus loin, on nous enseigne que l'éducation et la formation du leader, de l'école des leaders du messianisme tribal est différente de celle que nous voyons au niveau des séminaires qu'on nous apprend. On comprend qu'ils se concentrent sur l'enseignement des compétences et le matériel spécialisé qui aideront les gens à réussir dans le messianisme tribal céleste et inspireront autres nouveaux membres et les apprendront donc à mieux témoigner au niveau de la tribu. Donc, ce système puissant qui renforce la croissance et la foi des nouveaux membres les pousse vers le progrès du Messie. Ça les pousse vers le progrès de connaître le messianisme comment. Parce qu'on arrive à les convaincre non seulement de suivre les vrais parents, mais de propager effectivement la parole des vrais parents au niveau de leur propre famille, même au niveau de leurs écoles, à travers leurs amis, et même au niveau de leur connaissance. Donc, c'est le modèle de l'école des leaders parfaite pour l'expansion rapide des activités du messianisme tribal céleste qu'on constate en Asie et aussi en Afrique. Il est donc impossible de communiquer fréquemment avec une grande école de chefs de groupe car les tribus sont généralement éloignées des grands groupes existants. Par conséquent, une école de formation des leaders
seul est plus rapide, apte et plus mobile. De plus, il peut mieux cultiver les personnes talentueuses au sein de l'association du famille de Wundoke. Lorsqu'on dépend des programmes de formation d'un grand groupe, une longue attente est souvent nécessaire avant qu'un nouveau membre puisse participer aux sessions de formation. Donc, une école leader locale rattachée à un groupe d'appartenance est une solution parfaite pour créer effectivement une solution parfaite pour créer des vrais groupes de Wundoke. Dans le point 2, nous avons les types d'écoles dirigeantes gérées par un grand groupe. Donc, dans l'école leader est proposée dans le cadre du programme de formation d'un grand groupe. Un conférencier pour le grand groupe décide du temps et de l'espace et donne des cours dans un délai limité. Alternativement, un grand groupe peut décider d'augmenter ses activités pour correspondre à la multiplication des groupes d'appartenance à proximité et créer un coût pour la formation des chefs de conférenciers. Un conférencier spécialisé existant appartenant à un grand groupe peut également donner des coûts approfondis à une école dirigeante. Le modèle le plus efficace est peut-être que le grand groupe se concentre sur la formation des conférenciers et des cours approfondis, éduquant les membres seniors du groupe d'appartenance qui peuvent ensuite diriger l'école dirigeante du groupe d'origine afin d'éviter toutes les difficultés. Section 3, le processus de réalisation de la valeur en 3 étapes. Donc, le processus de réalisation de la valeur en 3 étapes de l'école des leaders du messianisme tribal. Une école leader du messianisme tribal vise un système de la gestion d'organisation qui réalise le principe des grands partenaires en matière d'éducation. L'éducation, à chaque étape, doit pouvoir produire les résultats pratiques. On devient donc un vrai parent qu'en ayant un enfant spirituel. C'est-à-dire que ceux qui témoignent doivent arriver à mener vers eux tous ceux-là qui ont pu convaincre à travers le messianisme tribal de suivre les vrais parents. Tous ceux-là qui constituent leurs enfants, non seulement physiques, mais qui constituent également leurs enfants spirituels qui les suivront dans le monde spirituel. C'est comme ça qu'on devient un vrai parent en ayant donc ces enfants spirituels-là. Au stade du vrai maître, il faut continuer à amender des enfants spirituels tout en les apprenant les coups du Messie tribal céleste concernant le fonctionnement et la multiplication des groupes de maisons. Pourquoi cela? Parce qu'il appartient effectivement à ces enfants spirituels que nous avons obtenus de pouvoir effectivement multiplier le home group afin que le home group, qui du côté de la maison, qui du côté du quartier, et arrive non seulement au niveau du district de Lombo, mais qu'on puisse en jour témoigner tout le plateau si possible, parce que le plateau sur Congo, c'est un département dans lequel se trouve effectivement Olombo. Donc, il y a 3 étapes. Lorsque vous aurez terminé la phase du vrai propriétaire, vous améliorez votre capacité de leadership, d'entraîneur Yodjon pour les membres dirigeants et les messies tribaux célestes. La première étape est le processus de réalisation de la valeur d'un vrai parent. Le programme d'une école leader du messianisme tribal est fondamentalement construit sur les racines du principe de 3 grands partenaires de matière. Il y a d'abord, les vrais parents disent que les 3 grands idéaux des partenaires sont l'idéal des vrais parents, l'idéal d'un vrai enseignant et l'idéal d'un vrai propriétaire. Ils doivent être la vision du monde des familles bénies. La formation pratique de l'école des leaders du messianisme tribal sont conçues pour permettre aux membres de les vivre et de les partager aux autres. En premier lieu, une école leader est installée au sein d'un grand groupe. Maintenant, quel est le contenu du premier quadrimestre de l'école leader? On apprend les éléments fondamentaux et majeurs du principe divin à travers les cours individuels et en groupe. De plus, le membre doit apprendre davantage sur la vie et les réalisations des vrais parents. En particulier, le membre doit comprendre profondément la signification de Yodjon, dont la fille unique, la vraie mère, enseigne chaque jour. Aussi, le membre doit connaître l'identité
de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification à laquelle il appartient. En d'autres termes, le membre apprend la vie religieuse de base de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification et la valeur de l'organisation pour une période définie de 10 à 30 semaines ou pendant un cours intensif de 2 ou 3 jours. Les stagiaires sont encouragés et chargés de former leur propre trinité pendant qu'ils franchissent cette étape. Pour ceux, ils sont constamment aidés par le home group de maison qui évangélise régulièrement au travers des réunions, des rapports en 3 cycles. Lorsque le membre trouve de nouveaux membres pour créer sa propre trinité et termine la formation, les membres convaincus de l'enseignement suivent effectivement tout le groupe et finissent par créer leur propre groupe. La deuxième étape est le processus de réalisation de la valeur d'un véritable enseignant. Le stagiaire apprend le processus essentiel pour devenir un messie tribal céleste. Il fait l'expérience du processus de croissance nécessaire pour se présenter comme un messie tribal céleste après sa bénédiction. Pendant cette période, il noue de bonnes relations familiales dans leur groupe d'origine avec le cœur de Yojong et des racines d'affection. Il apprend à diriger un petit groupe et à bien gérer les réunions de rapport en 3 cycles de groupe de maison, puis le leadership opérationnel du grand groupe et le leadership opérationnel du petit groupe. Il faut dire que le leadership opérationnel du grand groupe et le leadership opérationnel du petit groupe sont très différents. Ensuite, ils expérimentent le processus de fructification en invitant continuellement de nouveaux membres à un groupe, à se joindre à deux groupes et les rendre plus heureux ou à des fonctions de groupe de maison. Sur une base de Johnson, des réunions hebdomadaires ont lieu régulièrement, parcourant les 3 thèmes de la relation, de l'invitation et de la multiplication avec des rapports de groupe de maison chaque semaine. La troisième étape est le processus de réalisation de la valeur d'un véritable propriétaire. Comprendre la valeur d'un vrai propriétaire implique le processus de cultiver le leadership de coaching Yojong, afin de nourrir et de coacher avec la culture de Yojong en tant que citoyen de Chonongguk en bonne santé. Se tenir le véritable propriétaire en développant la capacité de leadership du Chonongguk. Ce processus de réalisation de la valeur aide à valoriser d'autres tribus ainsi que votre propre tribu. Les vrais parents ont dit que lorsque nous récupérons la tribu Kayan, nous récupérerons automatiquement la tribu Abel. Le messie tribal doit embrasser à la fois la tribu Kayan et la tribu Abel. L'église des maisons, donc le home group, devrait embrasser Abel et l'église de la tribu devrait embrasser la tribu de Kayan. Un bref résumé relatif à l'école des leaders du messianisme tribal. Nous avons donc l'école du leader 1. Donc, un cours de base pour donner une compréhension et des croyances de base pour atteindre les 3 bénédictions et multiplier les trinités pour réaliser les 3 grandes stratégies 3-3-3. Ces 3 grandes stratégies-là, donc c'est la stratégie 3, la deuxième stratégie 3 et la troisième stratégie 3. Vision 3 grands partenaires sujets. Pour atteindre ces objectifs, les stagiaires apprennent la vie et les réalisations des vrais parents et la vie religieuse de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Un stagiaire doit former un groupe de maison en donnant naissance à 3 enfants spirituels afin de réaliser la valeur d'un vrai parent. Et ces 3 enfants spirituels qu'un stagiaire a formés doivent aussi témoigner 3 enfants spirituels. Donc, ces 3 enfants-là, chacun doit témoigner 3 enfants. Les 3 vont donc former 9 enfants spirituels, plus les 3 enfants spirituels donc, du Leader School 1. Cela va former 12 enfants spirituels. Dans l'école du Leader 2, on va préparer une base substantielle pour multiplier le messianisme tribal et les trinités. C'est le centre de la réunion de rapports en 3 cycles du groupe de maison. Cela permettra d'améliorer la capacité de continuer à rapporter et à multiplier les groupes de maison pour compléter les 3 bénédictions.
C'est le processus d'expérimentation et de réalisation de la valeur d'un vrai enseignant. Donc, dans l'école du leader 3, nous avons un stagiaire devient un leader de coaching Yojong. Trois ou quatre groupes de maisons seront formés et connectés en passant par les écoles leaders 1, 2 et 3. À la fin, 12 personnes ne font qu'une et effectuent des rapports de groupes de maisons pour former une association familiale Wundoke qui fonctionne avec passion. Ils sont des membres principaux et deviendront des leaders de coaching Yojong, animant des groupes de maisons et travaillant en tant que personnel et conférencier dans les écoles leaders 1, 2 et 3. C'est le processus de réalisation de la valeur d'un vrai propriétaire. Un groupe de maisons principales commence un processus de multiplication continuel centré sur la nouvelle association des familles Wundoke. Ces contenus sont appelés la stratégie 3.3.3 pour le succès du Messie tribal céleste. Dans la stratégie d'action extérieure, 3 représente la formation de la Trinité. La conduite des réunions, des rapports de groupe de maison en 3 cycles et la réalisation de 3 nouveaux membres pour chaque trimestre scolaire des groupes de leaders. Donc, à travers ceci, j'arrive à la fin de mon exposé et je vais donc remercier ici le parent céleste, nos vrais parents, de m'avoir donné l'occasion de faire cette présentation qui est la première. C'est vrai qu'une œuvre n'est pas parfaite. Donc, je sollicite effectivement votre indulgence pour les imperfections que vous aurez constatées. Et je remercie aussi sincèrement le révérend Guy pour cette occasion et tous les coordonnateurs ainsi qu'à tous les participants. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. 네, 정말 감사합니다. 그러면 yes. 교수님의 피드백을 듣도록 하겠습니다. 제가 vraiment bien étudié, c'était vraiment très clair. Il pas vraiment bien. Je parle yeah. maintenant donc il faut arrêter les micros. Pas écouter, professeur Gil. Là, je suis en train d'écouter par écouter. Concrètement, éteins ton micro. Éteins ton micro. Je n'entends pas bien, Christa. Oui. Mon micro a un problème, mais éteins ton micro comme ça, on peut bien écouter. On peut essayer d'écouter ce que professeur Gil veut dire. Yeah. Merci. 아주 그 열심히 공부해 줘서 고맙고요. Merci pour d'avoir étudié si dur, d'avoir pris ton temps pour étudier ce concept. 지금처럼 이렇게 먼저 공부한 사람이 발표를 하고 내가 여러분하고 공유하는 것도 괜찮은 것 같아요. Je crois que c'est pas une mauvaise idée d'écouter d'abord ce que vous avez à dire et puis après terminer avec ma présentation. 왜냐하면 이제 내가 또 설명할 때 여러분들이 이해하지 못하는 게 있으면은 또 이해하게 될 수 있으니까요. La raison c'est parce que si j'écoute d'abord ce que vous avez à dire et je vois que vous n'avez pas compris certains concepts, je peux encore terminer et bien expliquer dans ma présentation. 여기 보니까 진성님이 계시는데 진성님이 오늘 발표한 것에 대한 피드백 좀 해주시겠습니까? 진성이라고 돼 있어요 이름이. Je sais que Jinsong est ici. Est-ce que Jinsong peut donner un feedback sur ce qu'il a écouté aujourd'hui de cette présentation? Oui. En fait, durant tout ce qu'elle a expliqué, ce que j'ai le plus écouté, c'est surtout les relations de cœur qu'il faut créer quand lors de la création des home groups. En fait, je me base toujours sur la relation de cœur parce que même si on arrive à créer des home groups et que c'est tendu, la plupart du temps, ça ne marche pas. Et ça, je pense que je peux en être témoin parce que on a déjà essayé, on a l'expérience de cela. Et les personnes, c'est-à-dire que même si on essaie de créer cela et que
Les personnes ne sont pas réellement connectées à notre vraie mère, ou bien ne sont pas réellement connectées aux parents célestes parce que la tradition n'est pas ancrée, ça ne marche pas. Donc moi, c'est la relation de cœur seulement que je peux expliquer, que je peux retenir et que je peux évoquer dans ce, dans ce groupe actuellement. Bon, pour le reste, je n'ai pas vraiment retenu tout le reste, mais je prends juste cette partie parce que c'est ça que je veux le plus développer, surtout quand je fais le messianisme tribal. Surge. 또 나가셨네. Est-ce que Serge est là? Oui, je suis là. Est-ce que vous pouvez aussi donner comme Jinsong un petit mot sur ce que vous avez retenu? Ok, merci beaucoup. Sur l'exposé de la grande sœur Claire m'a permis de comprendre un certain nombre de concepts, particulièrement à partir du le home group, comme la Trinité home group, et aussi comment prendre soin de cette Trinité, de ce home group qui a besoin de grandir comme un enfant et aller jusqu'au bout. Et j'ai apprécié particulièrement leurs efforts de suivi et d'éducation. Tels que les séminaires d'un jour qui se font tous les vendredis et aussi la continuité de l'activité. Donc, c'est l'aspect qui m'a le plus touché. Ils ont continué le suivi, ils ont continué l'éducation. Et ceci devrait pouvoir continuer jusqu'à ce que nous ayons beaucoup de membres de type A, c'est-à-dire des membres qui comprennent et suivent vraiment les vrais parents. Merci beaucoup. Mm. 네, 고맙습니다. 그러면은 제가 함께 여러분하고 PPT를 공유를 한번 해보겠습니다. 그러면 여러분이 좀 더 자세하게 아실 수 있을 것 같아요. 자, 잘 보이십니까? 네. 아, 오늘은 네, 보면 그 삼위기대 홈 그룹과 효정 리더 스쿨이라는 것에 대해서 생각해 봅니다. Aujourd'hui, nous partagerons sur le groupement de foyer de Trinité. 지금까지는 l'école des leaders. 지금까지는 삼위기대 홈 그룹에 대한 공부를 했습니다. Jusqu'ici, nous avons étudié le groupement de foyer en Trinité. 근데 이것만으로는 충분하지 않습니다. Mais cela ne suffit pas. 리더 스쿨이 꼭 있어야 됩니다. Une école de leaders est essentielle. 리더 스쿨은 교회 안에 있는 교육 센터와 같은 것입니다. Elle est comme un centre d'éducation dans une église. 그래서 홈 그룹과 효정 리더 스쿨이 같이 움직여야 성장의 시너지가 나타납니다. La synergie de croissance n'apparaît que lorsque le groupement de foyer et l'école de leaders de Hyojong travaillent ensemble. 네, 새로운 사람들이 교회로 리더 스쿨로 바로 들어오는 것보다는 홈 그룹을 통해서 가족 관계를 익힌 다음에 교회 리더 스쿨 교육 받는 것이 효과적으로 나타났습니다. Il s'avère plus efficace d'étudier les relations familiales dans un groupement de foyer et de recevoir ensuite une éducation d'une église ou d'une école des leaders que de laisser de nouvelles personnes aller directement à l'école des leaders de l'église. 이게 바로 여러분들이 교회로 들어오는 것보다는 홈 그룹을 통해서 들어오는 게 낫다는 거죠. Donc comme je vous ai dit, c'est mieux d'aller d'abord
à une école de leaders que d'aller à l'école de leaders de l'église. 홈그룹이 일반적인 소그룹과 다른 점은 뭐냐? La différence, qu'est-ce que la différence entre le groupement foyer et le petit groupe? 그는 효정을 느낄 수 있는 식구 공동체라는 것이 달라요. Donc, la différence entre le groupement de foyer et un petit groupe ordinaire est que le groupement de foyer est une communauté avec les liens de type familial. 쉽게 말하자면요, 홈 그룹은 가정 패밀리라면은 리더 스쿨은 처치로서 교회 학교와 마찬가지입니다. Donc, pour parler plus simplement, un groupement de foyer est comme une famille. Une école de leaders est comme une église et une école. 그래서 VIP들이 새로운 사람들이 교회 일원이 되기 전에 가족 관계가 있는 가정, 즉 홈그룹에서 아이가 탄생하고 학교 전까지 가기 전까지 가족 체험을 하는 것이 홈그룹이죠. Donc pour les nouveaux venus avant de devenir membre d'une église, un groupement de foyer est un espace où ils peuvent vivre des relations familiales. C'est comme un nouveau-né qui ressent l'amour dans son foyer avant d'aller à l'école. 지금까지는 새로운 가인이 들어오면은 바로 교회로 데려와서 원리 강의를 듣게 했습니다. Donc jusqu'à présent, un nouveau venu, position caïen, a été amené à l'église pour étudier le principe divin. 그런데 많은 사람들이 남아있지 않았습니다. Et peu de gens sont restés. 참부모님께서는 당신의 말씀 가운데 이걸 지적하고 있어요. 함께 읽어보십시다. Les vrais parents ont évoqué cela. Lisons-les ensemble. 여기 참부모님 말씀 다 같이 읽어보세요. 시작, Donc, 같이요. Lisons ensemble. Parfois, il n'y a personne qui vous guide et il n'y a personne, en charge. Un professeur enseignant le principe divin doit enseigner personnellement les gens veillent à savoir en plus sur le principe divin. Mais il ne trouve personne qui puisse le renseigner. Cela a donné des sentiments que les membres de leur entourage n'assument pas leur responsabilité. Car trois expériences commencent à s'accumuler. Les gens commencent à devenir critiques. Commence à devenir critique. En conséquence, nous avons perdu de nombreux membres. Compilation de sermons du révérend Saint Miakmoun. Mouvement de foyer. 빨간 글씨를 쓴 것처럼 많은 사람을 놓쳐버린 결과가 되어버렸어요. Donc, comme on l'a dit, comme notre père a dit, en conséquence, nous avons perdu beaucoup de nouveaux membres, beaucoup de membres. Yeah. 우리가 아무리 열심히 해도 이 사람들이 다 나가버렸어요. Nous travaillons très dur, mais tous ces gens ont quitté. 이거는 뭐냐 하면은 지금까지 우리가 해왔던 것을 좀 바꿔야 된다는 얘기입니다. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant nous devons changer. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. 강사가 원리 강의만 하는 것은 좋은 결과가 나타나기 쉽지 않습니다. Si le conférencier enseigne que le principe divin, cela ne peut pas produire un bon résultat. 강의를 한 사람이 책임을 지고 계속 관계를 맺어야 되기 때문에요. Ils doivent prendre responsabilité et continuer à tisser des liens. 이건 강사가 할 수 없잖아요. Au lieu de le laisser seul. 그러니까 혼자보다는 3위기대가 홈그룹이 관계를 맺으면서 가족 경험을 하면서 이렇게 해줘야 된다는 거예요. Donc au lieu de le laisser seul, il faut laisser trois personnes construire une relation et vivre une expérience familiale. 이것을 할 수 있는 것이 홈그룹이고 식구 공동체라는 겁니다. Ça c'est comme ça dans la communauté familiale du groupement. De foyer, cela peut se faire.
네, 우리가 한번 그림을 다시 보겠습니다. 이 그림을 보세요. 자, 이 그림을 보면은 같이 움직여서 공부하는 이런 것이 홈그룹 체험 학습입니다. Elle montre qu'on va dans une école de leaders pour recevoir éducation. 그리고 공부하는 tout en continuant d'apprendre. 그래서 열심히 홈그룹 하다가 어디로 가냐면 리더 스쿨로 가는 거예요. 스쿨 학교로 간단 말이죠. Et puis, bien sûr, si c'est continuer à étudier, après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à l'école des leaders, n'est-ce pas? 여기는 교회입니다. 대그룹 교회이기 때문에 리더 스쿨이라고 말할 수도 있어요. Pardon, ça c'est l'église. Donc, cette église, on peut aussi l'appeler leader school. 여기서 원리 강사의 원리를 듣고 다 어디로 오느냐? 또 홈그룹 또 와야 돼요. Donc, les gens dans cette leader school étudient et vont dans les... Et puis après... Ils vont encore dans les home group. 그래서 홈그룹 와서 또 같이 자세하게 서로 얘기하고 말씀으로 끝나는 것이 아니고 실천할 수 있도록 또 공동적인 작업을 합니다. Donc dès qu'ils retournent encore dans les home dans les groupements de foyer, ils vont encore étudier, partager et puis encore remonter encore. 그리고 이 과정에서 또 다시 공부하러 리더 스쿨로 가는 겁니다. Et puis après, il faut encore aller à l'école des leaders. 이렇게 리더 스쿨과 홈 그룹이 잘 돼야 시너지가 나타납니다. Donc l'école des leaders et le groupement de foyer doivent bien marcher ensemble. Et là, ça va créer une bonne synergie. 다시 말해서 홈 그룹만 해도 안 되고 리더 스쿨만 해도 안 되는 거예요. Donc ne pouvons pas juste faire le groupement foyer, non? Et nous ne pouvons pas aussi juste faire l'école des leaders. 두 개가 잘 할 수 있어야 됩니다. Les deux doivent marcher ensemble. 자, 그러면은 홈 그룹도 여러 가지 형태가 있다고 공부했죠, 우리는요? Donc nous avons dit que les groupements de foyer sont très variés, n'est-ce pas? 리더 스쿨도 두 가지 형태가 있습니다. Les écoles de leaders aussi sont il y en a deux types. 홈 그룹이 성장하면서 자동적으로 자체에서 만들어진 리더 스쿨이 있어요. Le groupement de foyer crée sa propre école de leader à mesure qu'il grandit. 예, 홈 그룹이 점점점 커져 리더 스쿨 대그룹이 됐다 이 말이죠. Donc le groupement de foyer crée sa propre école de leader à mesure qu'il grandit. 아, 이거는 시간과 공간에 교육하는 데 제약이 없고 아주 편리합니다. Il y a ici il y a peu de contraintes de temps et d'espace pour l'éducation. 왜냐하면 홈그룹 자체 안에서 운영되기 때문에 그래요. 리더 스쿨이. Parce que tout se passe au sein du même groupement. 그리고 1대1로 코칭 스타일로 교육도 될 수 있습니다. Une formation individuelle peut se faire sur un modèle de coach, sur un mode de coaching. 여기서는 교육만 되는 게 아니고 체율도 되기 때문에 아주 바람직하고 좋아요. Les compétences des membres progressent aussi par l'éducation, l'expérience et la compassion. 또 다른 리더 스쿨은 뭐냐 하면은요. 교회 대그룹 안에 있는 그런 리더 스쿨을 말합니다. Donc un autre type de est l'école des leaders qui ressemble à un centre d'éducation. Dans une église de grand groupe. 여기서는 교회에서 강사가 있어야 되고 또 시간도 있어야 되고 장소도 있어야 되기 때문에 시간과 공간 내 제약을 받습니다. Donc ici il y a de nombreuses contraintes de temps, d'espace avec les enseignants dans les grands groupes. 그래서 여기서는 할 수 있는 것은 대그룹 안에서 있는 리더 스쿨은 아직 리더 스쿨이 형성되지 않는 곳에 그 사람들을 교육시킬 필요가 있어요. Donc l'emplacement est limité et l'instructeur impose ses horaires. Les écoles de leaders dans les grands groupes offrent divers types de conférences et de cours de formation de leaders. 왜냐하면 여기는 대그룹 교회이기 때문에 강사도 있고 전문가들이 많기 때문에 여기서 홈 그룹의 리더 스쿨이 잘 될 수 있도록 교육을 시켜주면 좋습니다. Donc pourquoi il fait cela? C'est parce que dans ce groupe on doit aussi enseigner, on doit former des leaders.
그러니까 처음에는 전부 다 여기서부터 시작할 거예요. 교회에서부터 모든 걸 시작하는 거니까 여기서부터. Donc d'habitude tout commence d'abord par le numéro 2 par l'école de leadership qui est gérée dans les grands par les grands groupes. 그래서 이제 이 홈 그룹이 돼 가지고 홈 그룹 안에서 점점점 커서 리더 스쿨이 되는 이런 일본 스타일이 나오게 되겠죠? Donc d'abord ça, après le home school quand ça va grandir maintenant ça va grandir et puis après ça va partir à le numéro 1 dans l'école de leadership gérée directement par les groupements des foyers. 그렇지만은 교회랑 멀리 떨어져 있는 곳에서는 어차피 처음부터 이 일본 스타일로 갈 수밖에 없어요. 교회와 멀리 떨어진 장소에 있는 그런데 교회를 잘 못 오는 곳 그런 사람들은 일본 코스가 제일 빨라요. Donc mais ceux qui sont très loin de l'église par exemple à cause de distance il est souhaitable pour que il commence par on commence l'éducation par le numéro 1. 자, 그러면 리더 스쿨에 대해서 아주 구체적인 과정을 알아보겠습니다. Donc nous allons à présent voir le processus spécifique pour l'école de leader. 리더 스쿨은 3학기 또는 3단계 또는 3 모듈로 운영할 수가 있습니다. L'école de leader peut fonctionner sur 3 semestres ou en 3 niveaux ou en 3 modules. 이것을 나는 리더 스쿨 1 2 3로 표현했습니다. Donc moi je vais l'appeler école de leader 1 2 3. 예, 이 안에서는 뭐를 공부하느냐? Qu'est-ce qu'on étudie dans numéro 1? 이 안에서는 신앙의 기초가 되는 주제들을 배우게 됩니다. Nous étudions le début on étudie les sujets de base de foi, pardon. 원리와 하늘 부모님의 성애, 참부모님, 개인의 수행의 삶 이런 주제가 이 리더스쿨 안에 있습니다. En somme, il s'agit de points comme le principe divin, la sainte communauté des parents célestes, les vrais parents et la vie spirituelle personnelle. 그래서 그러는 공부하는 과정에서 꼭 새로 들어온 사람들은 삼위기대를 여기서 만들어내야 돼요. 이 안에서. Et à la fin du premier semestre, la fondation de la Trinité, Abel existante, doit fournir une formation pratique pour créer la fondation de la Trinité Kayan. 자, 잘 들으세요. 잘 들으세요. 잘 들으십시오. Écoutez très bien. Maintenant, 네. Écoutez très bien ce que je vais dire. 리더 스쿨 일을 하면서 이렇게 기본적인 강의로 듣지만은 이렇게 들으면서 새로 들어온 식구는 3명을 자기가 가인 그룹을 만들어야 된다 이런 말입니다. Donc quand on commence avec l'école de leader 1, on peut passer par des différents cours comme on vous a dit tout à l'heure, les séminaires de principes divins, les cours de vrais parents, la vie spirituelle et puis nous allons avoir le groupe de nous allons faire la fondation de la Trinité de Kayan. 그러니까 지금까지 강의만 듣고 가는 그런 게 아니고 강의도 듣지만은 이 듣는 과정 속에서 처음에 시작했던 이 3명과 그 다음에 이 사람들을 중심 삼고 다시 처음 들은 사람이 또 3명을 만들어서 6명이 되어야 된다는 거예요. Donc nous allons créer un système qui peut nous avons un système de 3-3. Donc nous avons 3 personnes qui ont étudié les principes divins, qui ont fait les séminaires ensemble. Qui ont été sur la vie spirituelle et puis ils ont fait leur groupe de Kayan, mais ils vont aussi amener 3 autres personnes. 그래서 그것이 이걸 다 듣고 6명이 되면은 그때 여기서 이제 수료증을 줘야 돼. Donc dès que dans un système qui donne le certificat, si nous créons la fondation de Trinité, autrement dit, à la fin du premier semestre, les 3 postes existants seront de 6 étudiants. Dans les 3 postes Kayan. 그리고 역시 이거 끝나면은 또 홈 그룹 가서 열심히 또 운동을 섬기는 운동을 하는 겁니다. Bien sûr, dès qu'ils terminent cela, ils vont encore commencer à faire à travailler très très sérieusement pour le home group.
그리고 또 여기서 여섯 명을 다 전도했음 그다음에 리더 스쿨 2로 가게 됩니다. Et ces six personnes, ces six étudiants vont maintenant partir à l'école de leader 2. 리더 스쿨 1이 기초에 되는 걸 공부하는 거라면은 리더 스쿨 2는 신정적 메시아와 종족들을 번식하는데 중점적인 것이 리더 스쿨 2입니다. Donc si dans le premier groupe, nous étudions sur le principe divin, les vrais parents et la vie spirituelle. Le deuxième groupe, maintenant, s'agit d'étudier sur le messie tribal céleste, comment il a fait la multiplication des familles et établit une famille Hyojong. Pardon, la méthode des groupes foyers. 네, 그래서 이 안에서 완전히 홈그룹 전문가가 되는 겁니다. 이 안에서. Donc, dans ce deuxième groupe, on devient maintenant des professionnels. 그래서 쓰리 사이클 운영하는 법도 배우고 신정매가 여기서 될 수 있는 것을 열심히 공부하고 배우는 것입니다. 그러니까 리더스쿨 1을 공부하면서 기존에 있던 식구들 3명과 새로운 식구 3명에서 6명을 만들었지 않습니까? Donc, vous vous rappelez, dans ce cours, on a eu trois étudiants, donc un total de six étudiants qui ont été créés dans l'école de leader 1, n'est-ce pas? Oui. Donc, leader school 2로 와서도 역시 그 6명과 또 3명을 더 만들어가지고 9명이 만들어지는 거예요, 이 과정에서. Donc, dans cette école de leader 2, ces six personnes vont encore appeler une personne chacun, donc on aura... pardon, ces trois personnes vont appeler encore une personne chacun, donc on aura neuf personnes au total. 그래서 여기는 참 부모 과정을 거치면은 이제 참 선생, 참 스승의 단계를 거치게 되는 거죠. Donc dans les à la fin de la session 2, il y a neuf membres, donc on aura une éducation où on pratique tous en apprenant, et là on pourra aller pour travailler pour aller à l'école des leaders 3. 그러면서 또 리더 스쿨 3로 갑니다. Donc c'est comme ça qu'on peut aller dans l'école de leader 3 après qu'on a appris et réalisé notre valeur en tant que vrai enseignant. 예. 여기서 6명, 9명 리더 스쿨 3 갈 때는 12명이 만들어져야 되는 거예요. 12명이. Donc quand on quitte du premier groupe, on devient 6, le 6 on devient 9 au deuxième groupe et puis maintenant du deuxième groupe quand on va au troisième groupe. On devient 12 personnes. Donc on doit encore chercher 3 personnes. 여기서 뭘 배우냐면요. 코칭 리더십을 배워요. 이거는 사람들을 컨트롤할 수 있고 사람들을 잘 이끌어 갈 수 있는 코칭, 효정 코칭 리더십을 배우게 됩니다. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans cette école de leader 3? On apprend dans cette on apprend le leadership de coaching. Ici le leader Hyojong nécessaire pour résoudre des différents problèmes dans les et diriger la tribu. 그래서 12명이 만들어지면서 이 사람들을 잘 코칭할 수 있는 사람이 되는 거라서 이거는 참 주인의 자리에 되는 것입니다. Donc au fait il devient il réalise sa valeur en tant que véritable propriétaire. 그러니까 지금까지 교회에서 강의만 하고 끝나는 것이 아니라는 거예요. J'avais dit que vous ne devez pas seulement aller à l'église, écouter des séminaires et puis terminer. Ça se termine pas là-bas. Home group도 하고, leader school도 하고, leader school 안에서 6명, 9명, 12명 될 때까지 계속 관리를 해주는 것이 home group과 leader school이 같이 해야 된다 이런 말이에요. Ok, donc ça veut dire qu'on doit continuer à travailler ensemble. Partie de non seulement apprendre pardon alors seulement la valeur de vrai maître sera mise en pratique et dans cette position de messie tribal céleste le leader il parvient aussi de créer une église familiale de Chombo. 자 보십시오. Regardez s'il vous plaît. 그렇기 때문에 이 홈부과 리더 스쿨을 제대로 하면은 여기서 12명이 탄생되기 때문에 그때서 신종족 메시아가 되는 거예요. Donc si on travaille bien dans notre groupement de foyer de messie tribal Hyojong, nous allons devenir ici nous allons créer 12 personnes
Et là, nous pouvons devenir des messies tribales, avoir un succès dans notre messie tribale. 이 과정을 정말 잘 이해해 주시기 바랍니다. 이거 참 중요합니다. 자, 그래서 우리가 다시 한번 여기서 정리를 한번 해봅니다. Donc je vais encore parler sur ça, un petit sommaire sur cela. 자, 리더스쿨 1에서는 10주를 대략 하게 되는데 30시간, 3시간씩 10주를 하면서 참부모 가치를 실현해야 됩니다. Dans l'école de leader 1, il faut faire l'expérience de réaliser les valeurs des vrais parents dans un cours de 10 semaines et 30 heures. 그래서 개성 환성을 위한 심신 수행을 지속적으로 계속하면서 전도하는 어려움, 전도 수행의 차원에서 계속적으로 해야 됩니다. Donc on n'apprend pas seulement en écoutant des conférences. Il faut devenir de vrais parents. Nous formons sans cesse notre esprit et notre corps à atteindre la perfection individuelle. 그래서 리더스쿨 1에서 새로운 믿음의 아이가 탄생해야 돼요. Donc on doit créer des nouveaux enfants spirituels dans cette dans leaderschool 1. 그 리더스쿨 1이 결국은 참부모의 사상을 경험하는 거기 때문에 전도를 해서 아이가 탄생하지 않으면은 참부모가 될 수가 없지 않습니까? Donc nous devons au fait devenir et devenir et comprendre qui sont les vrais parents et le comprendre de notre cœur profond. Donc si on doit ressentir et devenir les vrais parents. 그래서 on doit voir les enfants. 특히 실체 성신 독생녀 참 어머님의 심정을 깊게 깨닫고 하나가 돼야 됩니다. Surtout il faut avoir une compréhension profonde du cœur de la vraie mère, la fille unique, l'incarnation du Saint-Esprit. 그래서 리더스쿨에 오기 전에 리더스쿨에 오기 전에 자기 홈 그룹에서 3 사이클을 통해서 계속 새 식구들을 만나야 돼요. Donc avant de venir à l'école des leaders, il convient de recruter des nouveaux membres à travers les trois cycles au sein du groupement de foyer dont vous faites partie. 자, 그럼 리더스쿨 2에서는 또 뭐냐? Donc l'école de leader 2 역시 약 10주, 30시간 정도로서 이건 참 스승의 가치를 실천하고 경험해야 됩니다. Donc vous devez aussi dans cette école 2 c'est 30 heures de formation sur 10 semaines pour l'expérience pratique des valeurs du vrai enseignant. 이 기간 안에서는 자기 홈그룹 구축과 같이 서로 밀어주기 하는 전도를 해가지고 3기대 홈그룹을 완성할 수 있도록 서로 밀어줘서 최선을 다해야 됩니다. Donc dans cette période, on doit faire de son mieux pour construire son propre groupement de foyer. Et pour accomplir le groupement de foyer de la Trinité par l'évangélisation. 그래서 신종묘가 되어서 천부 입적 과정이 될 수 있도록 참가정을 위해서 코스웍을 만들어서 가인정적 홈그룹 구축을 해야 됩니다. Donc en étudiant les cours pour créer de vraies familles qui peuvent devenir des messies tribaux célestes et des familles enregistrées de Chombo. 그리고 신종묘 교과서 여러분 나온 그 사권을 열심히 공부해서 꼭 홈그룹을 성공해야 됩니다. Et vous devez aussi en étudiant le cours pour créer des vraies familles qui peuvent devenir des messies tribaux célestes et des familles enregistrées de Chombo, nous devons créer des familles bénies et établir un groupement de foyers de la tribu Kayan. 자, 그다음에 리더스쿨 3는 무엇이냐? Qu'est-ce que c'est le leadership 3? 역시 10주 과정, 3시간씩 10주 과정 하면 30시간 과정이 되겠죠? Donc c'est aussi l'école des leaders 3 offre un cours de 30 heures sur 10 semaines. 여기서는 참 주인의 가치를 실현해야 되기 때문에 12명을 완성해서 신종묘가 돼야 됩니다. Donc pour comprendre réellement la valeur du vrai maître et qualifier 12 personnes pour devenir un messie tribal céleste. 네, 그래서 정말 참 주인이 되기 위해서 효정 코칭 리더십의 전문가가 돼야 돼요.
Donc, pour devenir un vrai maître céleste, il faut apprendre et savoir diriger comme un animateur de Hyojong. 예, 그래서 여기서 이제 천복 가정이 만들어지게 돼요. 천복 가정. Okay, ici l'église de familiale de Chombo peut s'établir. 특히 430가정을 완성하는 가정은 이런 과정을 통해서 43가정을 탄탄하게 만드세요. Donc les familles qui ont béni 430 familles doivent former 43 familles centrales parmi les 430 de la tribu Caïn déjà béni. 그래서 리더스쿨은 1 스테이지, 2 스테이지, 3 스테이지 이렇게 해서 이걸 완성하는 것이 리더스쿨입니다. Donc nous avons alors trois étapes. Première étape, deuxième étape, deuxième étape, troisième étape. Ça c'est de cette façon on peut accomplir l'école des leaders. 자, 지금까지 우리가 이해한 거를 도면으로 보면 이런 도면이 나와요. Donc nous avons parlé et on a si vous visualisez ce que vous avez compris jusqu'à maintenant par un diagramme, cela donne ceci. 네, 3대 축복을 완성해야 되는 것. Accomplir les trois stratégies. 네, 그다음에 3대 축복을 완성하기 위해서 개성 완성해야 되고 가정 완성해야 되고 중완성 완성을 해가지고 3대 축복의 비전을 이루어야 된다 이 말이죠. Donc nous devons avoir la vision des trois grandes bénédictions tout en menant des activités du groupe de Trinité par les grands, pour les trois grandes bénédictions et la pensée des trois grands sujets. 그다음에 3대 주체 사상을 완성해야 됩니다. 3대 주체 사상. Et puis nous avons aussi la vallée des trois grandes pensées subjectives. 3대 주체 사상은 참 부모 사상, 참 스승 사상, 참 주인 사상이에요. De vrais enseignants et l'idéal du propriétaire. 이걸 완성하기 위해서 리더 스쿨을 하지 않습니까? Donc pour être capable d'accomplir cela, nous étudions le leader school, n'est-ce pas? 네. Nous venons dans le leader school. 그걸 하면서 우리가 3, 3 미션, 우리가 사명을 완성해야 되는데 이 3기대를 만들고 3 사이클을 하고 그다음에 번식하는 이 내용을 완성해야 돼요. 3 사이클 mission. Donc nous devons alors accomplir la mission. Les trois grandes bénédictions donnent la vision, la pensée, les trois grands sujets précis des valeurs et les groupes de Trinité deviennent une mission. Et c'est pour ça que nous avons trois grandes stratégies. Comprenez? 333 전략을 완성해야 된다. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'on doit être capable d'accomplir les trois les stratégies 333. 다 같이 따라합시다. 333 전략을 완성한다. OK, dites après moi. Accomplissons les stratégies 333. Accomplissons les stratégies 333. 예, 감사합니다. 예, 예, 여러분들은 이렇게 예, 홈 그룹과 더불어 리더스도 같이 해야 돼. 자, 여러분들은 홈 그룹과 같이 리더스쿨도 같이 해야 된다 이런 말이에요. Group et le leader school ensemble. 아, 이 과정은 결코 쉬운 과정이 아닙니다. C'est pas quelque chose de facile. 하다가 그만둘 수 있어요. Beaucoup de gens commencent et s'arrêtent. 그래도 꾸준하게 3-3-3 전략을 성공해야 됩니다. Mais nous devons vraiment accomplir et être avoir un succès dans les stratégies 3-3-3. 이거를 성공해야지 우리들은 천보 가정대를 만들 수가 있는 것입니다. Si on arrive à si on a le succès dans cela, nous pouvons devenir des familles Chombo. 그리고 430 가정을 완성하신 분들도 이 과정 홈과 리더 스쿨 안에서 430 가정을 전부 다 우리가 함께 만들 수가 있는 것입니다. Donc cela s'effectue au sein de 430 familles et ceux qui ont déjà que ceux qui sont déjà devenus des familles enrichies Chombo créons 43 familles centrales. 네, 고맙습니다. 이것으로 제 강의를 마치겠습니다.
vais terminer ici aujourd'hui. Yes. 나머지 두 명의 발표를 듣도록 할 건데요. 먼저 Laurent Ladous 발표 들을 거고 Laurent Ladous et après 바로 이어서 여보 코코 들을 겁니다. 그래서 먼저 Laurent Ladous 씨를 모시겠습니다. Donc il reste deux personnes maintenant qui vont donner une présentation, pardon. Donc on va commencer par Laurent Ladous et puis on va pas s'arrêter. Dès que Laurent yep. Ladous termine, on va avoir Yovo Koku. 네. 박수 부탁드리겠습니다. Donc, applaudissons pour Laurent Ladous. Bonjour. Vous... Bonjour, bonjour. Et vous voyez mon écran? Oui, très bien. D'accord. Je voudrais parler rapidement donc, en rapport avec... D'abord, je salue le professeur Gill et tous les frères et sœurs. Merci de nous donner cette occasion. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les groupements de foyers et l'école de leadership. Je voudrais présenter brièvement notre expérience à Dango, au Bénin. Alors, il a été question de la relation entre les groupements de foyers et l'école des leaders. Les groupements de foyers, c'est un esprit familial. Les gens se connaissent bien, ils ont des relations proches, intimes, naturelles, comme dans une famille. Et ils plantent des racines, notamment affectives, et ils acquièrent une compréhension de base. C'est un peu comme un enfant qui grandit dans sa famille et qui ne connaît pas encore l'école, qui n'est pas socialisé. Donc, ça lui donne confiance, il a des racines, mais on est aussi destiné à vivre en société, d'où la nécessité, à un moment donné, de se lier à un grand groupe, même si c'est un peu intimidant, parce que vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas. Les relations sont plus officielles et formelles. Et là, il faut porter des fruits, il faut réellement faire ses preuves et avoir une compréhension élargie. Alors, dans le contexte de Dangbo au Bénin, nous enseignons beaucoup dans des petits groupements de foyers. Je pense que vous avez tous cette expérience. Ça se fait d'ailleurs parfois dehors. Les gens se réunissent et il y a une conférence qui est donnée. Dans le cas de Dangbo, nous utilisons un ordinateur. Une question qui se pose, bien sûr, c'est la langue. Dans cette région qui est très rurale, il est rare que les personnes maîtrisent bien le français. Certains ne comprennent vraiment pas du tout. Et ont besoin, enfin la plupart de toute façon, on traduit, enfin tout est exprimé en langue locale, bien que le PowerPoint soit en français. Alors, quel est le lien entre notre commune de Dangbo? Vous la voyez un petit peu sur la carte. Vous avez le département de l'Ouémé au Bénin, il y a 12 départements et 77 communes. Donc Dangbo, c'est une commune qui est distante de 20 km de la grande commune voisine de Porto Novo. Porto Novo, c'est la capitale politique du pays, puisqu'il y a le Parlement qui est là. Et donc, entre notre centre de Messie tribale de Dangbo et Porto Novo, il y a à peu près 20 km. 20 km, ce n'est pas beaucoup, mais en réalité, c'est énorme pour les populations rurales qui sortent très peu de chez elles. Elles n'ont pas vraiment les moyens de faire 20 km comme ça facilement pour aller à notre église. Et donc, il faut assurer un minimum de liens entre le centre de Porto Novo et nos groupements de foyers. Pour aller ensuite dans la grande ville de Cotonou, il faut faire encore 25 km. Et donc, c'est toute une expédition pour les gens qui habitent en zone rurale. Pour eux, c'est très loin. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne sont allés à Cotonou qu'une seule fois dans leur vie, même si ça n'est qu'à 45 km. Alors, nous avons codifié de plus en plus nos relations avec le centre de Porto Novo. Au départ, c'était un peu sommaire. Je dirais que c'est surtout une relation verticale qui nous permet d'offrir nos activités, de les présenter à la figure centrale. Et ça permet de relier nos volontaires à une communauté plus large, plus expérimentée. Pour l'instant, c'est très difficile de relier tous nos groupements de Dangbo à la communauté de Porto Novo.
mais je dirais que les plus expérimentés de nos membres ont tous un lien avec l'église déjà ancienne de Porto Novo. Alors, le directeur départemental vient souvent visiter notre centre et il donne de l'éducation spirituelle. Il nous apporte aussi une aide logistique, des ressources humaines pour des événements. Et lui-même, ça lui permet, je pense, d'avoir l'expérience du terrain, parce que nous avons tous des lectures sur Messie Tribal, nous essayons de suivre les directives, mais c'est très intéressant de venir voir sur le terrain ce que ça donne. Et donc, je pense que les deux bénéficient. On s'éduque mutuellement, je dirais. Hein. Alors, tous les lundis, le leader de Porto Novo, M. Célestin Daguet, que je salue, le directeur départemental, il vient visiter le centre de Dangbo, vous le voyez à droite sur la photo. Donc, aujourd'hui, c'est lundi. Ils vont se réunir pratiquement toute la journée. Il lui faut quand même 50 km aller-retour de moto de chez lui jusqu'à chez nous. C'est un énorme investissement pour s'occuper de nos volontaires sur place. Je ne saurais jamais le remercier suffisamment de cet investissement. C'est très précieux pour nos volontaires de l'avoir. Hein. Et le vendredi, il vient aussi donner une guidance intérieure. C'est très important parce que nos volontaires n'ont été bénis qu'il y a peu de temps, ils ont le niveau des 7 jours, on va dire, mais ils ont besoin de beaucoup de guidance intérieure. Et un aîné comme Célestin Daguet, qui connaît notre mouvement depuis 30 ans, est vraiment qualifié pour les guider. Ils apprécient énormément ces moments passés ensemble, la sincérité du leader qui vient les voir. Ils n'ont pas à aller chez lui, c'est lui qui vient à eux, et c'est vraiment très apprécié. Alors, vous le voyez, donner son animation le vendredi. C'est une forme de leadership qu'on appelle en anglais « servant leadership », c'est-à-dire que le leader se met totalement au service de ses membres. Il vient sur le terrain, il les écoute et il s'efforce de les servir personnellement, de leur apporter le maximum de service. Nous allons passer à la diapositive suivante. Pardon, ah, c'est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Ah voilà. Alors, aussi, Célestin Daguet, le leader départemental, donc, et son épouse, officient parfois, célèbrent des bénédictions dans notre centre. Ça leur donne un caractère très solennel. Il vient en costume cravate et son épouse est très bien habillée. Ça donne une grande solennité. Nos couples sont vraiment ravis que quelqu'un soit venu de la ville pour leur bénédiction. Alors, l'exemple 1, c'était en août 2020, donc très récemment. Nous avons béni 8 couples qui avaient bien étudié avant de participer à la bénédiction. Et grâce à la venue du leader départemental, nous avons un succès de 100%. C'est-à-dire que les 8 couples ont fait leurs 40 jours et leurs 3 jours. C'était la première fois que nous avions 100% de réussite. Voici l'un des fruits de cette bénédiction. Ignace et Germaine, bon, ils nous connaissent depuis quelques mois seulement et ils ont beaucoup apprécié la cérémonie de bénédiction. La présence du leader départemental leur a beaucoup plu. Ils ont fait les 40 jours et les 3 jours dans la joie et ils ont participé au séminaire Chambo récemment pour les libérations et bénédictions d'ancêtres à Cotonou. Et depuis, Ignace a rejoint notre équipe de volontaires. Donc, pour lui, la relation avec le leader départemental l'a motivé encore plus à s'impliquer localement. Nous allons passer à la diapositive suivante, un exemple 2. À ce moment-là, nous avons bénéficié de l'aide logistique de Porto Novo. Nous avons béni 20 couples de l'autre côté du fleuve. D'habitude, les gens de la ville ne vont jamais là-bas, il faut y aller en pirogue, ça paraît un peu dangereux. Et donc, les gens de la ville ne se risquent pas trop à aller sur place. Et les gens sur place n'ont pas trop l'expérience de voir des gens de la ville. Mais Célestin Daguet est venu avec son épouse et toute la chorale. Nous étions enchantés parce que nous n'avons pas du tout les moyens d'avoir une si belle chorale. Et voyez, ils ont enchanté la cérémonie. Ils ont chanté plusieurs fois. Les gens étaient vraiment ravis. Ils étaient très motivés de voir cet investissement de notre église de Porto Novo. Ils avaient fait un long voyage pour venir chez eux en pirogue et les gens étaient vraiment ravis. Passer à la diapositive suivante.
Il y a aussi la coopération avec le siège national. Donc là, vous me voyez à côté du révérend Emmanuel Alognon, le leader national du Bénin, et Georges Ogourier. Alors, ils étaient venus nous visiter le 3 mars de cette année, et Georges Ogourier avait d'ailleurs écrit un article qui a été publié par le siège international. Il avait été intéressé par notre centre de Messie tribale de Dangbo. Et donc, de temps en temps, nous organisons des événements en relation avec non plus simplement le département, mais carrément de niveau national. Et je pense à deux exemples. D'abord, les séminaires Chombo. Donc ici, vous avez la participation de mes volontaires en octobre 2019, il y a un peu plus d'un an. Et un an plus tard, alors là-bas, en 2019, ils étaient 7. Et cette année, nous étions un tout petit peu plus nombreux, nous étions 10. Bon, c'est toute une logistique, il faut louer un bus, il faut aller à Cotonou, parfois c'est très compliqué, enfin bref, je vous épargne toutes les difficultés logistiques que ça demande, mais bon, à chaque fois, nous sommes enchantés. Les membres découvrent notre siège de Cotonou, ils sont très impressionnés, ils voient des gens vêtus en blanc qui reçoivent la bénédiction, et bien sûr, ça leur donne un sentiment merveilleux qu'ils ne peuvent pas avoir sur place. C'est un éblouissement pour eux. Ils sont tellement contents de participer à ce genre d'événement. En plus, ils voient des membres parfois qui viennent de l'étranger. Ils voient des Togolais, des Ghanéens, des Nigériens. Et vraiment, il semble que c'est un mouvement international. Alors, on a parlé des étapes, de devenir un vrai parent, un vrai enseignant, un vrai maître. Je voudrais dire comment ça s'est traduit récemment pour nous. Vous avez vu ce schéma aussi, je ne vais pas insister là-dessus. Récemment, nous avons eu des relations un peu tumultueuses avec la mairie de notre commune. Le maire que vous voyez au milieu sur la photo de gauche avait entendu de très mauvaises rumeurs sur notre activité. Ça peut arriver, nous n'avons pas que des amis. Il y a aussi des gens qui nous veulent un peu de mal parce qu'ils ne nous comprennent pas bien. Donc, le maire avait décidé de mettre en prison le principal de nos volontaires, Barnabé, sur la foi de mauvaises rumeurs. Heureusement, nous sommes allés voir le maire et nous lui avons dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter, que nous n'étions pas un groupe dangereux, mais qu'au contraire, nous faisions beaucoup de bien pour sa commune. Alors, il a admis qu'effectivement, il s'était totalement trompé et du coup, il nous a dit « Venez présenter vos activités au conseil municipal ». Et du coup, nous lui avons dit « Écoutez, monsieur le maire, non seulement nous voulons être réhabilités, mais nous avons deux choses à proposer à votre mairie. Nous allons vous aider à avoir un site internet et nous allons aider votre ville à devenir une ville internationale de la paix. Ici, vous avez nos volontaires qui ont planché devant le conseil municipal. Ils ont dit combien nous avons aidé la population avec un rôle de parent et d'enseignant. Et nous avons proposé à la mairie d'avoir son site internet. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Eh bien, il faut savoir que sur 77 communes du Bénin, il n'y en a que deux seulement, à savoir Cotonou et Abomey-Calavi, qui ont un site internet. Aucune autre commune n'en a. Donc, pour la commune de Dangbo, ce serait une grande opportunité. Nous avons des deuxièmes générations professionnelles qui vont les aider à faire cela. Et puis, nous avons dit au maire que nous allons l'aider à faire de sa ville une ville internationale de la paix. Ce n'est pas simplement faire un ambassadeur de paix, le maire, mais c'est vraiment que la ville entière soit promue. Il existe un organisme international de ville de la paix. J'ai moi-même aidé pas mal de villes à le devenir. Et donc, c'est une prochaine étape. Voilà comment je résumerai un petit peu les relations entre nos groupements de foyers, des gens simples menant une vie très rurale, souvent ne parlant pas la langue française, et des plus grands groupes, et aussi comment nous avons pu récemment, alors c'est une percée qui demande encore à être confirmée, être reconnue par les autorités de la ville qui pourtant à un moment donné n'avaient pas une très bonne opinion. Merci pour votre attention. Yoko 네, 수고하셨습니다. 예, 아주 그 활동에 대한 얘기를 많이 해주셨습니다. Tu nous as dit beaucoup de choses sur tes activités. Merci. 예, 그러면 혹시 지금 그 콩고의 활동과 리더 스쿨학의 관계,
리더 스쿨은 어떻게 대응하고 있습니까? 아, 저기 베닌이에요. 아, 베닌. 리더 스쿨은 어떻게 대응하고 있습니까? Donc, vous avez parlé beaucoup sur vos activités, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les leader school à Bénin? Alors, pour les autres tribus, je ne sais pas exactement comment ça se passe. J'ai surtout parlé de l'implication du leader départemental. C'est notre expérience. C'est qu'il vient former sans cesse, deux fois par semaine, nos membres locaux. Daum, 이제 그 발표 시에는 우리가 이렇게 수업한 거에 대한 그 응용한 것들에 대한 발표를 하면 더욱더 좋겠습니다. So, merci beaucoup. J'espère aussi que prochainement tu pourras nous expliquer un peu plus aussi en connexion avec ce qu'on a appris ou ce qu'on va apprendre dans le sujet de la classe. 그러면 오늘 발표한 거에 대해서 질문을 하는데 닥터 패트론 닥터 패트론 진우 le docteur Patten Zinzou est-ce que vous avez 예, 한번 질문해 주세요. Donnez une question à Laurent Ladouce sur la présentation qui vient de faire. 네르시 보쿠. Merci de m'avoir donné cette occasion. Je vous salue depuis Sao Tomé. C'est vrai qu'il s'agit du Bénin où je suis concerné. Et je connais, disons, le lieu auquel Laurent fait allusion. Et je voudrais d'abord les féliciter pour l'engagement et la mise en application des cours en termes donc de groupement de foyers. Alors, la question que je voudrais lui poser est de savoir est-ce que il n'est pas possible de partager cette expérience avec les autres. 많은 느낌을 잘 받았었습니다. 좋은 질문을. 어, 그래. 어, 뭔데? Oui. Est-il possible de partager cette expérience avec les autres groupements de foyers? Parce que le Bénin est en train quand même de montrer un bel exemple en termes de développement de la mission du messianisme tribal. Il y a beaucoup de familles qui ont achevé ou qui sont en train d'achever les 430 couples de différentes manières. Et le plus important, c'est comment accéder à la dimension sociale, connecter le travail que nous faisons à l'administration locale, à l'administration territoriale pour une restauration nationale. Alors, est-ce que vous avez pensé comment conjuguer aussi ces mêmes efforts stratégiques et l'étendre au niveau de la nation? Parce que lorsqu'il y a une réussite dans un domaine, dans une ville ou dans une commune, il est bon de pouvoir donc aussi élargir et étendre cela dans les autres domaines. Et aussi, la préoccupation que j'ai est de savoir comment lier ce qui est fait sur le terrain à l'enseignement que Dr Gilles donne pour une appréhension concrète de ce qui est en train d'être dit et de ce qui est en train d'être fait. Parce que beaucoup ont des approches différentes. Est-ce que cela répond à ce que le professeur Gilles enseigne ou bien est-ce qu'il y a partie de ce qui est fait sur le terrain? On peut créer un autre modèle d'enseignement, puisque là où on réussit et on atteint un objectif, on peut toujours en faire donc un modèle d'action. Voilà ce que je pourrais dire, tout en vous remerciant encore une fois et en remerciant le professeur Gilles pour tout son investissement et son engagement pour faire de nous tous des messieurs tribaux victorieux célestes.
sans oublier bien sûr comment Claire pour sa présentation. 내가 베닝을 방문했을 때 상당히 감명 깊었는데 또 이제 상트메 가서 열심히 일하시니까 Quand j'étais partie au Bénin, je me rappelle vraiment que vous avez travaillé très dur, vous étiez vraiment toujours en train de travailler et maintenant j'écoute que vous êtes à Sao Tomé, c'est vraiment je vous remercie pour votre travail. 네. 그리고 오늘 이 강의에 참석하신 모든 분들은 꼭 지금 공부하는 것을 실제로 만들어 보면서 여기서 발표해 주셨으면 정말로 고맙겠어요. Donc j'aimerais vraiment que vous étudiez ce qu'on apprend aujourd'hui dans cette classe et puis vous faites vraiment votre présentation à propos de cette éducation et vous nous donnez des exemples comme on vient d'écouter tout à l'heure des exemples de ce que vous faites sur le terrain. 네, 그리고 오늘 우리가 이렇게 공부한 것을 제가 유튜브에 띄우니까 지금 불어권에서 그걸 다 받아서 같이 공부를 하는 것이 되면 정말 좋겠습니다. Donc d'habitude je tout ce que je fais par exemple tout ce qu'on étudie aujourd'hui c'est bien je fais ça je mets ça sur YouTube mais le côté francophone, c'est comme si vous n'utilisez pas ça beaucoup. J'aimerais bien que vous allez sur le YouTube et vous prenez ce qu'on a étudié aujourd'hui et vous envoyez à d'autres personnes, vous étudiez, vous regardez encore. 난 매일같이 유튜브를 봅니다. 얼마나 많은 공부를 하는가. 그런데 불어권에 있는 아프리카 사람들이 상당히 숫자가 적어요. Chaque fois, je regarde le YouTube, je regarde combien de personnes ont regardé, combien de personnes ont touché cette vidéo, regardé telle vidéo. Mais c'est comme si le côté francophone du monde et en Afrique, c'est très bas, notre numéro. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent les vidéos francophones. 자, 그럼 마지막 발표자들 발표하겠습니다. OK, on va écouter la dernière présentation. 네, 그러면 큰 박수로 여보 코코 모시도록 하겠습니다. 그럼 nous allons appeler Yovo Koku pour donner sa présentation. 어디 사람이야? 여호 쿠쿠? D'où vient Yovo Koku? De quelle nation? 아프리카인가? 어. Oui, il est de l'Afrique, il doit venir du Togo. 모르겠어. 아, 지금 저기 카지마 대륙 회장님이 말씀해 주셨어요. 토고 사람입니다. 토고? 그렇고. 마지막 대리 회장님 꼭 이 얘기 좀 해달라고 마치게 됐네. 아 근데 토고 분인데. 어? 코트디부아. 코트디부아. 아, 네, 코트디부아 사람입니다. 죄송합니다. 핵심만 얘기해 달라고 해서 핵심만. 시간이 많이 갔어요. Comme on n'a pas beaucoup de temps, toute la gloire. Il veut juste que vous donnez le, que vous faites ça très très bref. D'accord. Alors rendons toute la gloire et l'honneur aux parents célestes et aux vrais parents. Nos révérences et salutations au professeur Jill, à toutes les familles Chombo, tous les messieurs tribaux et les familles bénies centrales. Monsieur le frère Yovo Koku. De la génération de 400 millions de couples. Et j'ai l'insigne honneur ce matin de vous présenter l'exemple de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que nous travaillons sur le terrain pour faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire céleste. Est-ce que mon écran est visible? OK. Oui, c'est très visible. OK, merci bien. C'est bon, oh, c'est un peu long. Excusez, la connexion ralentit un peu, mais je pense que ça va aller. Alors donc,
Voici la présentation de l'équipe dirigeante du Mécénat Tribal Céleste en Côte d'Ivoire. À la tête, nous avons le leader national, Révérend Begré Richard, qui lui-même est une famille Tchombo. Nous avons la directrice, Madame Nsimba Adam-Marie, qui est une famille Tchombo. Je suis donc le secrétaire et nous avons un conseiller spécial. Sur la photo, sur votre droite, vous avez l'équipe qui se mobilise sur le terrain. Et à l'intérieur de cette équipe, vous avez une famille Tchombo, vous avez un pasteur. C'est-à-dire que c'est une équipe très outillée et que nous mobilisons sur le terrain. Alors, comment est-ce que le mécénat tribal céleste a commencé en Côte d'Ivoire? C'est en 2018, lors de la visite du révérend Bakary Camara, lors de son passage en Côte d'Ivoire, il a donc incité au cours d'un séminaire tous les aînés à aller sur le terrain pour accomplir leur mécénat tribal céleste. Et donc, les familles de Côte d'Ivoire se sont regroupées en trinité et pour certaines en quatuor pour pouvoir investir le terrain. Et aussi, une campagne nationale a été lancée de 70 jours pour pouvoir encourager les membres à se rendre sur le terrain du mécénat tribal. Et donc, voici des exemples de séminaires qui sont organisés à la veille des campagnes de mécénat tribal céleste. Ici, vous avez donc la carte de la Côte d'Ivoire. Voici les zones qui ont été investies. Les zones qui ont été investies, vous voyez, du sud au nord, de l'est à l'ouest, toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont été investies par les différents candidats au mécénat tribal céleste. Et donc, comme résultat, d'abord, les messieurs tribaux se sont associés en trinité. Et donc, ils vont dans une zone bien précise. On désigne, on bénit des couples et on attribue ces couples-là, lorsqu'on atteint les 430 couples, à un des membres de la trinité. En général, on commence par l'aîné de la trinité et ensuite on passe au second et à la troisième personne de la trinité. Ainsi donc, voici... avant d'aller sur le terrain, la procédure de mise en œuvre. Le siège délivre donc un ordre de mission, une lettre aux autorités. Et donc, une fois sur place, l'équipe va vers les différentes autorités de la place, le préfet ou le sous-préfet, et ensuite va vers le chef de village et remet symboliquement de la boisson, c'est la tradition ici, et nous expliquons ensuite le bien fondé de ce que nous venons faire sur le terrain, le bien fondé de la bénédiction, en leur faisant comprendre que nous venons aider à redynamiser les couples, les foyers, afin que ce foyer-là devienne des havres de paix et que cela rejaillisse sur la société. En général, les autorités sont très enthousiastes et permettent donc que l'activité puisse se dérouler sur le terrain. Alors, comme approche sur le terrain, deux approches ont été utilisées. La première approche, c'est la formation d'équipes de 2 à 3 personnes. Un but est fixé à chaque équipe selon le nombre de jours à faire dans la région donnée et l'objectif global à atteindre. Vous avez là un exemple d'équipe sur le terrain, voilà, qui entretiennent les familles. En 5 minutes, on explique le bien fondé, l'idéal de la famille et l'objectif de la bénédiction. Et on leur demande si elles accepteraient de recevoir cette bénédiction-là pour réellement redynamiser leur vie de foi, pour renouveler leur foyer. Et quand elles acceptent, la bénédiction est donnée sur place et le couple est enregistré. Alors, la seconde approche, c'est celle de trouver un Jean-Baptiste, une personne très réceptive. Ça peut être un enfant spirituel qui a le contact facile. Et celui-ci doit aller donc sur le terrain pour sensibiliser, mobiliser la population. En général, dans l'objectif de tenir une conférence afin d'organiser la cérémonie de bénédiction. Pour ce cas, comme il s'agit donc d'un rassemblement de personnes, souvent on note des refus, mais en général, on arrive à obtenir des familles. Voici donc sur la photo qui suit des exemples donc, de bénédictions qui ont été organisées en groupe. Et donc, nous avons donc, depuis 2018, obtenu des résultats. En 2018, il y a eu 14 messieurs tribaux célestes victorieux.
En 2019, on a pu obtenir 16 messies tribaux célestes victorieux. Et en 2020, nous avons atteint le nombre de 7 messies tribaux célestes victorieux. Il va sans dire que la situation de crise de la COVID-19 a été pour beaucoup dans ce résultat qui n'est pas élevé. Et donc, en total, en dehors de la Côte d'Ivoire, il y a aussi certaines familles qui sollicitent l'équipe ivoirienne. Et nous avons 4 nationaux ivoiriens qui sont devenus aussi messies tribaux célestes. Et nous avons un total de 41 messies tribaux célestes. Et le département a aidé 3 familles à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, en France, 2 familles en France et 1 famille au Japon, à atteindre cet objectif de 430 couples. Voici donc l'image ici. Vous avez sur votre gauche la famille Dumas qui reçoit l'album des 430 couples qui ont été bénis au niveau donc du département. Et sur votre droite, c'est un séminaire de 7 jours dans la tribu, la formation des 43 couples dans cette même tribu, la tribu Dumas. Alors donc, le plus important, c'est les activités de développement de la tribu. Il faut dire que avec les cours que nous avons débutés avec le professeur Jim, alors chaque messie tribal s'est donc déporté dans la tribu pour mettre en pratique ce que nous recevons comme formation. Et donc, chaque messie tribal est retourné dans sa tribu dans le but d'éduquer les 43 couples. Alors, essentiellement, on enseigne le principe divin. Comme il s'agit d'une conférence de 3 heures, donc les parties essentielles du principe de la création, de la chute, et on enseigne les 8 domaines dans lesquels le révérend Moon est champion. Et ensuite, nous enseignons la vie et les œuvres du révérend Moon et Madame. Et la seconde étape, donc, c'est la formation des coachs. Et donc, nous retournons ou nous invitons ces familles qui ont déjà, parmi les 43 couples qui ont déjà suivi des formations, à venir dans la capitale Abidjan pour suivre un séminaire de 7 jours complet sur le principe divin. Ensuite, on leur enseigne la vie de notre père et de notre mère actualisée. Pour cela, nous nous basons sur les vidéos de Peace TV concernant les bénédictions organisées à Sao Tomé, et ainsi de suite. Et le troisième point très important, nous installons les coachs. Et donc, ces personnes ayant été formées, nous allons maintenant dans la tribu pour les installer en présence des autorités, pour qu'elles soient connues. Et donc, nous révisons encore les 3 parties du principe divin, ou les 3 étapes de la vie de l'homme, et nous profitons pour leur remettre une feuille de route. Et dans cette feuille de route, nous expliquons ce qu'elles doivent faire dans leurs différentes home groups. Et nous les installons. Voici donc des images. Et donc, vous voyez ici, ces séminaristes, une fois le séminaire terminé, ils reçoivent la photo des vrais parents, ils reçoivent un diplôme, ils reçoivent une clé USB avec des holy songs. Et donc, ils reçoivent une fiche de promesse pour pouvoir faire le Ndoke. Et donc, on leur enseigne ces éléments de base de la tradition. Vous avez là des centres home group ou home church, les foyers églises qui sont installés à l'intérieur du pays. Nous avons 12 éléments, 12 messies tribaux qui ont pu installer ces centres. Et naturellement, comme vous pouvez le lire, nous n'écrivons pas home group sur les pancartes, mais nous utilisons des expressions pour que ces personnes puissent réellement comprendre. Donc, comme vous pouvez le lire, c'est centre de sensibilisation et d'éducation aux valeurs de paix. Il y en a 12 d'installés et celui-là, c'est l'exemple d'Abengourou. Alors, donc, voici quelques photos d'éducation des 43 couples. Et à côté, à cause de la situation de COVID, les messies tribaux ont été invités à aller dans leur tribu pour faire des donations, pour faire des dons, pour soutenir les familles de leur tribu. Parce qu'il faut manifester la solidarité, il faut être proche, il faut manifester le cœur d'amour envers ces différentes familles dans cette situation. Et donc ici, vous avez à la suite d'une formation, la constitution de home group. On les met ensemble pour apprendre déjà à réaliser donc leur home group, à réellement s'entretenir et à échanger au sein donc des home group. Alors, comme résultat de tout ce travail qui a été fait sur le terrain, alors, c'est la cérémonie donc d'intronisation des familles Tchombo qui a eu lieu le 10
octobre 2020, et 14 familles Tchombo au niveau de la Côte d'Ivoire ont pu prendre part à cette cérémonie-là. Merci de votre attention. Ici, 대해서 우리 그 대륙 회장이 참석했다면서 그분 저기 피드백을 좀 들었으면 좋겠어요. 가지마. 아, 네. Merci beaucoup. Nous allons écouter un peu de, du révérend Kadima. Il va donner un feedback à propos de votre présentation. Donc, on veut écouter maintenant le directeur général de Continental, pardon. Merci beaucoup. C'est avec d'abord un cœur de reconnaissance, un des remerciements au révérend Yong Wan qui se dévoue pour nous aider à vraiment matérialiser les idées et les buts principaux de la Providence centrés sur des vrais parents, centrés sur la vraie mère. Vous savez, le palier dans l'accomplissement ou bien dans l'établissement ferme de Chonil Cook, le messianisme tribal, la réussite et la victoire dans le messianisme tribal est la clé. Parce que c'est à travers cela que nous devons étendre les familles Tchombo et ces efforts qui sont en train d'être fournis. Normalement, quand nous voyons la population de l'Afrique et la dimension de notre continent, nous pouvons penser que nous avons fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et nous devons avoir plus. C'est quand même écœurant quand on voit que beaucoup ne regardent pas ces films que le révérend Tchong met sur... Et pourtant, nous avons la plus grande population, nous avons les plus grandes possibilités de gagner plus et de nous organiser pour sauver l'Afrique. Vous savez, ces travaux de messianat tribal, c'est ce qui peut sauver l'Afrique, c'est ce qui peut changer la donne, hein, des politiciens qui sont avérés, qui luttent pour le pouvoir. Et la paix en Afrique est liée à cela. Donc, c'est vraiment à encourager ce travail qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. En RDC aussi, nous sommes en train de pousser dans toute l'Afrique. Nous devons prendre tout ce modèle. Nous avons tous les enseignements, nous avons tout. Donc, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous freiner. Je pense que l'une des clés du travail que nous allons faire dans ce mandat et dans cette mission que notre Vraie Mère nous donne, c'est, ça sera la base même de notre travail pour essayer de plus encourager le membre à le faire et d'avoir plus des victorieux. C'est comme ça que nous allons gagner. C'est ce que nous allons offrir aux vrais parents parce que l'Afrique doit prendre cette position de leader en témoignant des vrais parents et en éduquant tous les Africains et tout le monde. Parce que si nous faisons ça, nous allons gagner du terrain. Nous allons influencer la politique, nous allons influencer l'économie, nous allons influencer l'éducation, parce que nous en avons les atouts. C'est pourquoi ces classes sont vraiment salutaires et nous devons étudier, imprégner, comme le Van Young l'a dit, nous devons, sur base de ce qu'il nous a donné comme enseignement, adapter cela à nos réalités et mettre en pratique. Les résultats sont palpables. Vous voyez vous-même que ceux qui s'unissent et qui mettent ça en pratique, les résultats sont là. Notre mère a déjà donné la bénédiction. Nos aînés qui ont de l'expérience prennent leur temps pour nous éduquer. Alors, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de temps à perdre. Donc, il n'y a pas de raison. Notre mère a dit, nous n'avons pas de raison à donner. Il faudrait que nous disons que nous présentons quelque chose. Et le fait qu'il y a ce groupe qui présente quelque chose, d'autres groupes aussi doivent présenter quelque chose. On ne doit pas rester comme ça. Chacun doit présenter quelque chose qu'il a fait. Parce que nous avons tous les matériels, tous les atouts. Voilà ce que je peux faire comme commentaire. Merci beaucoup, j'encourage ça. Et les autres, si nous devons faire la même chose comme modèle, suivant aussi ce que Laurent Ladouce fait au Bénin, tout ça, nous devons conjuguer nos efforts et partout faire de telles présentations. Merci beaucoup. 고맙습니다. 이렇게 정말 아프리카가 이 교육이 필요하다는 것을 여러분들이 어머님에게 편지를 쓰시기 바랍니다.
de cette éducation, s'il vous plaît. Yeah. Écrivez une lettre à notre mère sur l'importance de cette éducation, que l'Afrique a vraiment besoin de cette éducation. 그럼 그 편지를 또 어머님에게 제가 전달해 드리겠습니다. Et je vais encore prendre vos lettres et je vais passer cela à notre mère. 그리고 우리 대리회장님이 또 그런 편지를 수집해서 저한테 보내주시고 또 직접 우리 본부장님한테도 필요하다는 걸 얘기를 해야 이것이 계속됩니다. 네. J'espère aussi que le notre continental peut aussi m'envoyer une lettre comme cela. Je peux aussi faire ce rapport et puis on pourra pousser encore plus fort pour que l'Afrique peut vraiment aller de l'avance. 네, 고맙습니다. 편지 꼭 보내주시고요. 부모님한테 쓰는 편지. 네, 보내줄게요. 네, 여러분 오늘 수고 많으셨습니다. 예, 네, 오케이. 예, yeah, mercy, mercy. Thank you very much for your attending. Thank you. Thank you very much. Merci, yeah. Merci. Thank you very much. Thank you, Dejima. Thank you, Reverend Dejima. Okay, thank you. Dejima, 이거 가지마. 가지마, 가지마. Thank you. Okay, bye bye. 예, 예, 고맙습니다.